retrouve pour la deuxième partie. Donc, on y va pour les pantalons, les robes, les chaussures. C'est intéressant, hein? Voilà. Donc, on reste chez Urban Planet. Oui, on va... Oups, on va tant pas. Tu sais, tout tombe. OK, fait qu'on reste chez Urban Planet. Ça, c'est pas Urban Planet. J'ai acheté des jeggings. Moi, de toute façon, je pense que depuis le début des vidéos, vous avez vu que je suis une fan des jeggings. Je suis pas capable de mettre autre chose que ça. Autrement, je me sens vraiment coincée et puis pas confortable. Fait que le tissu, il est fou. OK, il est vraiment doux, là. Puis, tu sais, en tout cas, je sais pas si vous vous rappelez, là, en tout cas, cet été, l'été passé, j'ai acheté des pantalons chez Urban Planet qui étaient taille haute. Finalement, ça s'est avéré un très mauvais choix de ma part. Il y avait rien d'autre dans les magasins que les maudites taille haute. Puis moi, je suis bizarrement faite, là. Fait que des tailles hautes, ça me va vraiment pas bien. Puis je passe ma journée assis à mon travail. Fait que, en tout cas, j'ai l'impression que le bourrelet voulait complètement ressortir du pantalon. Je tripais pas vraiment. Fait que moi, il faut vraiment des tailles basses. Puis là, j'en ai trouvé. Donc, ça, c'était 22$ chaque. C'est mon matin et c'est médium. Donc, ça, c'est dans le gris. Ouais, c'est dans le gris. Fait que vous savez de quoi ça a l'air des jeggings. Voilà, voilà. Des jeggings, ouais, en tricot. Mais en tout cas, je trouve pas que ça a l'air du tricot, mais bref. Voilà. C'est super doux. Tu sais, je sais pas si vous pouvez voir de proche. On peut-tu dire échancré? En tout cas, vous me direz en commentaire, là, je sais pas c'est quoi cette couleur-là, là, cette dégradé de blanc puis tout ça, là, mais en tout cas, on va appeler ça de même pour aujourd'hui. Puis je l'ai acheté aussi dans le bleu, à 22. Mais là, je sais qu'on dirait qu'il n'y a pas vraiment de différence, là, mais attends une minute, là. Tu sais, vous voyez, c'est bleu. Bon, c'est bleu foncé. Fait que même modèle, même grandeur, même tout, super doux, super génial. Skinny en bas, toujours skinny. Fait que c'est ça. Là, on a-tu fini Urban Planet? Je pense que oui. Fait que le total, j'ai eu un 20% de rabais pis tout ça, là. Fait que total, là, à peu près 110$, là. Puis je m'en suis sortie avec tout ce que je viens de vous montrer. Ensuite, non, c'est pas vrai, il manque quelque chose. Je me suis acheté une paire de shorts. Puis moi, j'étais assez garnie au niveau du fessier. Fait que c'est très dur de se trouver une paire de shorts qui dévoile pas tout, tu sais, qui arrive pas comme ras la petite bubule de fesses, là. Fait que j'ai réussi à trouver mon compte. Fait que une paire noire bien ordinaire. Tu sais, la neige a même pas fini de fondre, là. Je sais pas d'où ce que vous me regardez, là, mais si vous êtes du coin de la France puis tout ça, là, ici, là, il y a encore facile un pied de neige dehors. Puis même, je vous dirais, hier, il a neigé puis je suis déjà en train d'acheter mes shorts. Mais c'est rare que je trouve... des shorts qui m'arrivent pas ras les fesses, là. Fait que j'étais vraiment contente pour ça. Puis en plus, c'était pas cher. C'était 12,50. J'aurais dû en acheter un autre paire, puis je pense que je vais y retourner parce que ça fait des années que je cherche des shorts, puis je réussis jamais à en trouver des parfaites comme moi je veux. Puis ça, ben, ça tombait comme à 1. Fait que celui-là, on est correct. Fait que là, on va tomber dans le fond chez Ardennes. Ardennes. On fait-tu les souliers? Challenge! Bon. Souliers, vous allez dire, bon, je suis une fille qui se rajoute tout le temps les mêmes vêtements. De toute façon, je l'avais déjà averti dans mes autres vidéos. Quand je tripe sur quelque chose, ben, je rajoute en plusieurs exemplaires, en plusieurs couleurs. Fait que, on va commencer par les souliers. Chez Ardennes, c'est tout le temps du 2 pour 20$. Fait que j'ai pris cette paire-là que je trouve vraiment. Sont vraiment belles, là. La petite boucle en avant avec les petits diamants. Ben, pas en tout cas, on s'entend. Vous comprenez. Voilà. Donc, dans le noir, pour fitter avec tout. Et puis, j'ai pris, excusez, je suis hors caméra quasiment, évidemment, la même paire, mais dans le nude. Ça aussi, je trouve que c'était parfait pour fitter avec ce que j'ai acheté. Tu sais, des fois, avec les chandails de la couleur que je l'ai pris, on essaie d'être un petit peu plus discret dans le bas. Tu sais, mettons, au niveau du pantalon, au niveau du soulier. Fait que je trouve que c'est parfait. Je les ai mis aujourd'hui, mais j'ai laissé le collant en dessous. Fait que ça fait winner en titi. Bref. C'était 2 pour 20$. Et puis, moi, le voilà, comme 3 ans, j'avais été chez ma coiffeuse. Puis, elle avait des pantalons kaki vraiment super beaux. C'était semi-moulant, mais en tout cas, tu sais, semi-armé, mais c'était vraiment beau, là. Puis là, j'ai réussi à en trouver une presque pareille paire chez Ardennes. Je les ai payés 22,50$, mais vraiment, je tripe dessus. Mais là, ils sont toutes frippés parce que là, c'est ça, là.
Mais voilà. Mais je sais qu'on voit pas bien la couleur, là. En tout cas, c'est kaki, là. C'est vraiment armé foncé, là. Puis c'est comme mes autres pantalons que j'avais montré dans mes autres hauls, là. Tu sais, c'est vraiment lazy, là. Tu sais, on voit au travers, là. C'est vraiment un tissu léger. T'as l'impression d'avoir rien sur le dos quand tu portes ça. Puis c'est ça. Comme ça, ici. Là, les pantalons, ils finissent skinny en bas. Et puis, désolée. Il y a une poche en arrière. Elle est où? Elle est ici. Voilà. Une petite poche. Ils sont vraiment super confortables. J'étais vraiment contente. Et puis, je les adore, en fait. Là, je les ai remis tantôt. Puis, je suis comme, waouh, bon achat. Et puis, ça, c'est mon coup de cœur. Que vous verrez à moitié dans la caméra parce que c'est tellement long que ça n'a aucun sens. Moi, ce que je voulais pour l'été, c'est que ça faisait comme depuis l'été passé que, tu sais, moi, ça fait quand même un an et quelques que j'économise de l'argent pour la mettre de côté de ma maison. Fait que vraiment, mon budget pour les vêtements, c'est limité. Fait que, tu sais, moi, je regardais des filles avec des belles grandes robes qui allaient jusqu'en bas tout l'été. Puis, j'étais comme, genre, waouh, moi aussi, j'en veux une. Puis, je ne me l'ai pas acheté l'été passé parce que moi, je mesure comme 5 pieds. Puis, ben, toutes les robes, ils étaient tellement longues que ça avait aucun sens. Il y a comme aucune robe qui était faite pour du 5 pieds, là. Fait que je la mettais, puis ça traînait à terre, puis c'était vraiment pas beau. Puis là, je suis tombée sur la robe. Mais la robe, on dirait qu'elle a été conçue pour moi, là. Là-dedans, c'est comme... Je me trouve vraiment belle, là. Fait que j'ai vraiment hâte à cet été pour pouvoir la mettre. Fait que bref, je la monte. Mais c'est ça. Voilà, je vais la faire défiler, là. Comme ça. Jusqu'en bas, je sais pas si vous voyez en bas. Bref, elle arrête là. Puis ça, c'est le top en haut, là. Fait qu'elle a pas de bretelle, là. Puis là, elle se met comme ça, là. En tout cas, là, elle est débile, OK? J'ai payé 34,50 mais je tripe dessus, mais royalement, là. Fait que, tu sais, vous allez faire des prières pour moi pour que l'été arrive plus vite. Puis que je puisse enfin mettre ma robe avec mes souliers noirs, puis tout ça. Parce que là, j'ai vraiment hâte, là. C'est trop. C'est trop pour moi d'émotion. J'ai trop de linge, de vêtements, diva, de n'importe quoi. À la recherche de syllabes, s'il vous plaît. J'ai trop de linge d'été et l'hiver est encore présent. Ça fait que je suis un petit peu triste, mais en même temps contente d'avoir réussi à trouver des vêtements qui me font aussi bien. Fait que voilà, le total pour chez Ardennes, c'était... C'est pas bon comme montant, ça. 65 et 75. Que ça a coûté. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est avant les taxes. 75,60. Puis après ça, chez Walmart, ben parce que chez Urban Planet, j'avais pas trouvé de pantalon noir. Parce que moi, je me cherchais une paire de pantalon noir. Parce que vu que quand, tu sais, qu'on a un petit peu de gras sur nous, hein, on essaye de pas trop le mettre en évidence. Fait que le noir est comme, a priori, la couleur de choix. Bref, finalement, j'en avais pas trouvé. Fait que je suis arrivée chez Walmart. Puis vraiment contente. La première chose sur laquelle je suis tombée, c'est des skinny noirs style, ouais, c'est ça, jambes étroites, sauf que c'est pas des jeggings, mais c'est pas grave, là, ça fait la job pareil. Fait que voici la super paire de pantalons noirs, très ordinaire, que toutes les filles doivent avoir dans leur garde-robe, mais que les miennes, moi, étaient totalement finies. Puis vu que j'ai porté des leggings tout l'hiver, ben c'est ça, là, j'étais due pour avoir des vraies paires de pantalons, là. Plus capable d'avoir l'air d'une bien-être sociale en leggings, pas de budget. Bref, sur ce, c'était mon haul. J'ai plus de voix. Bon, bref, j'espère que ça vous aura donné un avant-goût de l'été. J'espère que ça vous aura donné un avant-goût d'aller magasiner. Dépensez pas trop parce que l'argent, c'est durement gagné. Mais les couleurs cet été... Je sens que ça va être vraiment la folie totale. J'adore les couleurs punchées, puis ceux-là, vraiment, là, tout ce que j'ai choisi, je suis en amour avec. Je sais que 24 heures sur 24, 7 jours semaine, 365 jours par année. Non, c'est pas vrai, on abuse. Mais je sais que tout l'été, je vais être habillée en pêche. Fait que j'espère que le monde qui vient à mon travail haïsse pas le pêche parce qu'ils vont être malades. Bref, là-dessus, je suis vraiment contente de vous avoir retrouvé. Je sais pas si on va avoir un haul bientôt. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos, puis que vous avez des idées, n'hésitez pas à me demander des vidéos sur, je sais pas, les ongles, des trucs comme ça. Ça va me faire super plaisir parce que souvent, je cherche quoi faire comme vidéo puis je trouve pas. Fait que c'est pour ça que c'est ça. Si vous avez des idées, ben ça va me faire plaisir de pouvoir parler avec vous puis tout ça. Puis de toute façon, au fur et à mesure que les mois avancent, je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Sauf que moi, je
je fais pas de plus de vidéos. Donc, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à me donner des idées. Et puis, ben c'est ça. Je pourrais vous parler de plein de choses. Fait que là-dessus, passez une belle semaine. J'espère que vous avez apprécié ce haul. On se revoit bientôt pour un lookbook. Puis, ben c'est ça. À la prochaine. Bye tout le monde!